Je voudrais voir un peu les motivations du jugement, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on n'y a pas eu accès. Et je regrette quand même qu'on n'ait pas entendu que là, on avait des personnes qui se sont exprimées pour le suprémacisme blanc, ce qui est quand même une atteinte aux valeurs républicaines que je défendrai toute ma vie. Et on est surtout sur la dégradation de biens. Moi, l'argument de dire qu'ils sont venus dire qu'en fait, effectivement, ils avaient commis cet acte, pour moi, n'est pas suffisant pour prendre toute la responsabilité face à des actes aussi graves. Et donc, je ne vous cache pas que je suis extrêmement déçue aujourd'hui, dans une période où on voit une montée du racisme, une montée des extrêmes. Eh bien, c'est quelque chose qui m'inquiète, parce que j'espère que la société va prendre plus la mesure de ce qui pourrait se passer en ce moment. Les valeurs républicaines, elles font société, et on a besoin de se rappeler que ce respect-là, il est fondamental, il est nécessaire. C'est la survie d'une société comme on l'a construit pendant des siècles. Et franchement, je le répète, je suis extrêmement déçue. Mais on verra la motivation du jugement. Vous trouvez, pour l'instant, je ne l'ai pas vu.